Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV Fait sa culture, l'occasion de vous souhaiter une excellente rentrée à tous. Pour cette première, on parle évidemment des festivals de la région, notamment les variations musicales de Tanné, mais aussi le Phare. Et puis en plateau, nous recevrons la plus célèbre des troupes nyonnaises, les Top Modestes. Les variations musicales de Tanné, donc, qui célèbrent cette année leur 10e anniversaire du 16 au 29 août. C'est un programme idyllique qui a séduit les oreilles des mélomanes. Quant à nous, nous avons eu la chance de rencontrer le plus fidèle ami du festival, Renaud Capuçon. C'est un festival d'amis, justement. J'y suis venu pour la première fois il y a 6 ans. Et j'ai trouvé tout de suite une très belle atmosphère, quelque chose d'extrêmement accueillant. C'est pas prétentieux, on est là pour les bonnes raisons. On est là pour faire la musique. Et le public est là vraiment pour l'entendre dans ces conditions. Alors là, il pleut un peu, donc il y a un peu de bruit, de la pluie sous la tente. Mais quoi qu'il arrive, ce sont toujours des moments extrêmement privilégiés ici. J'ai toujours trouvé que cette tente sonnait bien parce qu'il y a du parquet par terre et donc il y a une résonance naturelle. Et puis il y a le lac juste à côté, c'est paisible ici. Encore une fois, c'est un endroit où la musique résonne naturellement. Concert ensemble, on a fait 5 là cet été, 5 en février, un tout nouvel ensemble qui a été créé donc en janvier dernier et ce qui est réjouissant c'est de voir qu'il y a un enthousiasme incroyable, qu'on a bien sûr beaucoup travaillé mais on a travaillé sur la cohésion du son et c'est pas simplement des jeunes qui sont sympas et qui se mettent à jouer ensemble, non c'est vraiment des jeunes qui sont en train de devenir professionnels, qui sont en train de partir de la Haute École de Musique de Lausanne ou encore élèves et qui passent du temps à travailler, à construire et moi je suis un peu leur animateur entre guillemets, je joue avec eux, je les dirige, je les fais travailler, mais surtout quand on est sur scène, on est tous à égalité, il n'y a pas d'élèves et de professeurs, on joue absolument tous dans la même direction et pour moi c'est une sorte de shoot d'énergie incroyable, c'est comme prendre, je sais pas, on mange beaucoup de vos maltines chez vous, c'est comme prendre une bonne rasée de vos maltines avec la musique. De la musique, c'est cet amour de la musique qui est tellement infini et qui est tellement vaste. Il me faudrait plusieurs vies pour arriver à faire le quart du dixième de ce que j'aimerais découvrir. On ne peut être que humble face à Bach, Beethoven, Tchaïkovski ou Sibelius ou je ne sais qui, ou Schumann, parce que ce sont des génies et nous on les sert. Je pense que le jour où j'ai plus cette candeur et cette fraîcheur de la première fois, il faudra arrêter et faire autre chose. Années de musique classique et une volonté de laisser la place aux jeunes. Cette année, le Festival des variations de musicales de Tanné a accueilli le Conservatoire de l'Ouest Vaudois. Après
Après une semaine de stage intensif, des élèves du Conservatoire de l'Ouest vaudois ont présenté un concert final lors du Festival des variations musicales de Tannay, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Pour certains de ces musiciens, c'est l'occasion de jouer pour la première fois de la musique d'ensemble. C'est une opportunité, un honneur assez exceptionnel. Lorsque j'en ai parlé avec Serge Schmitt, qui est le directeur des variations musicales, je lui ai bien dit que c'était un stage d'été et que c'était un concert de clôture. Donc au bout d'une semaine, on ne peut pas prétendre que ce soit un travail aussi abouti que le travail d'une année, mais c'est un défi, un challenge que les élèves relèvent avec enthousiasme. Il n'y a pas une recette secrète, ni miracle. Pour moi, l'enthousiasme dans le bonheur et la discipline et l'exigence, c'est un mélange des choses qui me permet jusqu'à maintenant d'obtenir, j'espère, parce que le concert va avoir lieu bientôt, un résultat qui est pour moi chaque année assez enthousiasmant. Un concert rempli d'émotions. À quelques minutes du début, le petit Alessandro s'est blessé et probablement brisé le poignet. La famille est émue, les professeurs troublés, et on les comprend. Car le musicien en herbe semblait très enjoué avant de monter sur scène. Il promettait d'ailleurs de jouer avec le cœur. Il faudrait donner de l'émotion, surtout voir qu'on s'amuse dans la musique. Parce que si on voit qu'on est tous stressés, c'est vraiment pas drôle à écouter et à regarder pour le public. Le concert lui sera finalement dédié et digne des plus grands virtuoses. Tous se sont accordés sur la même note, le plaisir de partager un moment musical. Ce qui me plaît, c'est surtout de partager la musique avec d'autres musiciens, parce qu'en tant que pianiste, on n'a pas forcément l'occasion de jouer des quatre mains ou avec d'autres instrumentistes. C'était vraiment bien. Pourquoi ? Parce que les morceaux, ils sont super, les profs, ils sont super, et l'esprit, juste, c'est vraiment bien. C'est tellement une joie de découvrir le développement de la musique ensemble. On prépare sa voix. C'est une voix de clarinette. Et puis on rencontre les collègues, des jeunes surtout dans l'orchestre. Et puis la musique commence à vraiment à chanter. Ici, on est un peu plus ouvert. On prend plus des risques d'une certaine manière. Parce que quand on mélange un peu plus les âges et les niveaux en particulier, il y a un gros travail aussi à faire apprendre aux élèves pour ce qui concerne la patience, l'adaptation au niveau de l'autre, le soutien réciproque. Et donc, sur le plan humain et social, pour moi, c'est très intéressant. Une très belle réussite. Ne nous reste plus qu'à souhaiter un prompt rétablissement à Alessandro. On se réjouit de te revoir rapidement sur scène. Les Top Modestes sont de retour du 27 au 31 août à 20h30, puis le 1er septembre à 18h. À la parenthèse, ils chantent Norma. Ou presque, on en parle avec Ariane Karcher, metteur en scène, et puis Jacques Tapolet, comédien, pour ce spectacle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Ariane, j'ai envie de dire, votre première fois, attention, à l'opéra, soyons précis, c'était comment ? Si vous parlez de Norma, ce n'est pas tout à fait la première fois, parce que l'année passée... Non, votre première fois à vous, à l'opéra, la première fois que vous avez vu un opéra. Ouais. Ah oui, je me souviens très bien. C'était un Wagner, et ça dure 5 heures, c'était le crépuscule des dieux, ça dure 4 ou 5 heures. J'avais pris un polar dans mon sac à main, en me disant... Si je m'ennuie et que mon mari ne s'ennuie pas, j'irai bouquiner au bar. Et je suis restée scotchée sur mon siège pendant tout l'opéra. J'ai adoré. Et j'y suis retournée, et voilà. Donc, c'était une belle expérience. Ouais. Oui, je m'en souviens très bien. Donc, l'amour entre l'opéra et vous a commencé comme ça. Et pour vous, Jacques, c'était comment, la première ? Ah, c'était il y a beaucoup moins longtemps probablement qu'Ariane. C'était dans un endroit très improbable, une cour de château à Savonlinna, en Finlande, qui avait été transformée en salle de concert pour un festival.
et j'ai eu droit à un opéra en russe, évidemment sous-titré, puisqu'autrement on n'aurait rien compris, et qui n'était même pas un opéra très connu et très classique, mais qui était magnifiquement bien joué et chanté. Votre dada à vous, c'est donc de reprendre les opéras et de le faire à la sauce des top modestes, et je vous propose tout de suite de voir à quoi ça ressemble en images. Bon, c'est une minute, donc... Votre objectif, Ariane, c'est surtout de rappeler aux gens que l'opéra, c'est populaire. Comment vous faites ? J'aime, tout simplement. Et puis, je détricote. Enfin, nous détricotons. Je ne peux pas lire jeu tout le temps parce que ce n'est pas vrai. C'est vraiment un boulot d'équipe, hein, Jacques ? Oui, oui, c'est clair. C'est tout à fait un boulot d'équipe. Parce et puis, chacun amène une partie de sa sauce à l'intérieur. Elle, tout son professionnalisme de metteuse en scène. Et puis, du sel de créativité. Puis, nous, on essaye de la suivre. On essaye rarement de la devancer parce qu'on a vraiment plus de la peine à le faire. Tellement c'est vraiment le moteur de cette troupe et c'est le moteur de la création et de ce qu'on prépare. Et surtout, c'est notre œil extérieur. Œil que nous n'avons évidemment pas quand on joue et quand on fait des improvisations et qu'on crée. Vous aimez à dire, Ariane, que c'est finalement un hommage à l'opéra en forme de BD. Ces personnages sont de vrais personnages de BD. Pourquoi ? Ben, parce que on peut pas, on n'est pas des professionnels de l'opéra, hein. Ni des chanteurs lyriques. Dans Norma, il devrait y avoir 100 guerriers, 200 vierges, je ne sais pas combien de personnages sur scène, plus l'orchestre. Nous, on est quatre, avec un gars qui met de la musique par ordinateur. Donc, on ne peut pas prétendre représenter un opéra comme on présenterait une pièce de théâtre, par exemple. C'est juste impossible. Et puis, comme c'est un peu long, et puis quand même un tout petit peu ennuyeux, et puis un petit peu triste, Norma, il faut quand même dire les choses, malgré les airs sublimes qu'il y a dedans. Autant découvrir ça en se marrant, quoi. Justement, on a d'autres images que vous pouvez voir tout au long justement de l'interview. L'objectif, c'est que ce soit amusant, ça l'est du bout à la fin. Vous pouvez me croire, j'ai vu la pièce, j'ai vraiment rigolé. C'est ce que vous avez apporté encore en plus cette fois-ci, Jacques. Comment vous avez fait ? Il y a plusieurs manières de faire. Il y a d'abord quelques petits trucs, et puis les trucs, c'est à nouveau essentiellement Ariane qui les apporte et qui les focalise. Et puis, on est une équipe qui se connaît vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on a un parcours de théâtre ensemble. Et donc, la création se fait vraiment par émulation, les uns avec les autres. Et les pointes d'humour, des fois, c'est de la grande déconnade. Ça arrive aussi, bien sûr, hein, ça fait partie du processus créatif. Et puis après, on essaie de canaliser cette déconnade en quelque chose d'un petit peu plus construit et puis qui puisse s'enchaîner, qui puisse avoir du rythme et puis qui puisse, si possible, plaire au public. Ariane, vous leur demandez quelque part de chanter. Vous nous avez avoué que certains n'avaient pas du tout le rythme et ne savaient carrément pas chanter. Il y en a un. Oui. On ne dira pas qui, à vous de comprendre. Venez découvrir, mais ça ne s'entend pas du tout parce qu'il a, il a tellement travaillé, c'est extraordinaire. On sait, Norma, c'est finalement une épreuve vocale, mais aussi beaucoup d'émotions. Et là, pour le coup, ça se ressent. Vous allez chercher ces petites pointes d'émotion et vous jouez aussi avec vos comédiens. Vous leur faites faire, j'ai envie de dire, un peu tout. Carrément, Jacques qui embrasse un de ses collègues. Là, vous n'avez pas froid aux yeux, Ariane. Mais eux non plus. Hein. Non, mais si on veut jouer, j'entends, il ne faut pas avoir peur de faire ça. Sinon, il ne faut pas faire du théâtre. Ouais. Non, pour moi, je trouve que c'est vraiment... évident qu'on peut faire ça. Alors pour eux, ça l'a pas été. Hein, c'était mais non. Jacques, embrassez votre collègue, c'était pas.
Oui, c'était pas évident, mais c'est pas la première fois que Ariane me fait embrasser un homme. Déjà il y a quelques années en arrière, donc le pas était un tout petit peu plus simple à franchir. Et puis après, c'est vraiment une question de se mettre dans le rôle. Et puis c'est une question de dire on est au théâtre, on n'est pas ailleurs. Et puis c'est une question d'avoir une confiance énorme dans la personne qui est en face, ce qui est le cas. Et ça s'est très très bien passé, ça se passe très bien tous les soirs. Les Top Modestes, donc, à voir encore à la parenthèse tous les soirs à 20h30, puis le 1er septembre à 18h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ariane et Jacques. Merci Andréa. Après 11 jours de fêtes et 26 propositions artistiques, le Phare, Festival des Arts Vivants, s'est achevé sur un bilan positif et une fréquentation en forte hausse avec 5800 spectateurs. Une 35e édition qui se disait organique. Petit tour d'horizon en compagnie de quelques artistes. Organique était pour nous un titre qui n'a d'ailleurs pas été si facile à trouver, puisqu'on ne voulait pas être fermé et ne traiter que de l'aspect climat, biodiversité, environnement. Dans l'écologie, il nous semblait important de donner également une place à comment l'homme fonctionne aujourd'hui, tenter de proposer un ralentissement, ne pas avoir comme omnipensée la production et le développement. Alors le spectacle s'appelle Showroom et c'est un spectacle qu'on a créé à trois avec Igor Cardellini, Rebecca Balestra et moi. Et on s'intéresse ici au remplacement, au pluriel, de l'humain par les technologies. Et on propose une contre-histoire du progrès en fait. Dans les questions qu'on pose sur scène, en fait, il y a justement le rapport à la nature et la manière dont le progrès se définit en fait par une volonté de maîtriser la nature. Ici, on a de l'armoise, une plante qui est de la même famille que l'absinthe. Alors on reconnaît à ses fleurs qui ressemblent à celles de l'absinthe. La première partie, c'est Adrien qui fait une promenade d'environ une heure où il nous montre et il nous fait goûter des plantes sauvages qui sont au bord des chemins. Et après, on arrive dans une petite clairière et là, je prends le relais et je chante quelques-uns des textes de cet ouvrage du XIIIe siècle sur les plantes. Prêt à vous embarquer, buvez du vin d'absinthe. Elle est fortifiante et dans les sons d'oreilles, unie au fiel de bœuf, elle fait des merveilles. Hors champ, c'est en fait une expérience performative. Je dis une expérience parce qu'en fait c'est pas un spectacle proprement parlé. Il est joué par en fait les spectateurs qui deviennent aussi les participants. Et en fait l'idée se passe dans une colonie, on va dire, des tentes dans lesquelles les spectateurs entrent deux par deux et ils lisent des conversations qui sont toutes inspirées par la relation entre l'humain et la nature. Ce projet est une proposition artistique pour repenser le système juridique. Comment peut-on représenter une identité non humaine comme la nature au tribunal? Quelles sont les possibilités pour représenter et personnifier une rivière ou un lac? C'est aussi mettre en lumière le fait que les droits de la nature ne soient pas reconnus dans la Constitution, sauf en Équateur. L'écocide n'est pas encore reconnu comme un crime dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. As a crime in the Roman statute. La relation entre les artistes, les avocats et les experts ouvre de nouveaux dialogues et amène des solutions à adopter par la société. C'est très important que cette interdisciplinarité de projets artistiques et ces différentes disciplines se réunissent, parce que l'utopie devrait être nourrie par des perspectives différentes et non une seule. C'est mon avis. «
C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas Le Cheval qui a débuté à Sarreau-Dessus à Beugnin. 15e édition pour cette année jusqu'au 31 août. Donc ce soir, Chic Chic Chic, vendredi Sandor ou encore Louis Jugger. Et puis enfin vendredi, Chenge ou encore le groupe nyonnais Tendenista. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures.